Comment ne plus avoir d'émotions négatives? C'est tout le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais un peu vous expliquer les choses et développer pour que ce soit simple et facile à comprendre. Bonjour, je m'appelle Farah Kay, je suis votre coach en affaires et j'aide les femmes à avoir le bon mindset d'un entrepreneur à succès. Donc, maintenant c'est le moment, vous pouvez me mettre un pouce bleu, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, puis activer la petite cloche pour recevoir les vidéos en avant-première dès qu'elles sortent. Donc on va discuter un peu des émotions négatives. C'est un sujet très, très prisé d'ailleurs. Donc il faut que vous sachiez d'abord que, premièrement, les émotions négatives, ce n'est pas vous. Quand vous avez des émotions négatives, ce n'est pas vous. Ce sont des émotions. Il faut vraiment prendre ça avec une distance. Les émotions sont des émotions. Les pensées sont des pensées. Mais ce n'est pas vous. Ça ne vous appartient pas. Ça passe. C'est comme les pensées hein, et les émotions, ça passe, tout passe. De toute façon, deuxième chose, ce n'est pas permanent. Ce n'est jamais permanent. Quand il y a une situation qui est compliquée, où on a des émotions négatives, dites-vous bien que ce n'est pas permanent. Il ne faut pas s'accrocher à ces émotions, en fait. C'est quand on s'accroche à ces émotions qu'on n'arrive pas à se détacher et qu'on ressasse vraiment et qu'on essaye de lutter aussi contre ces émotions, c'est là qu'elles prennent tout leur pouvoir, en fait. En fait, elles prennent pouvoir. Les émotions et les pensées prennent vraiment pouvoir, contrôlent votre esprit, au final. En fait, c'est vraiment ça. Donc, en troisième chose, ce que je veux vous dire, c'est que tout part d'une pensée, en fait. Quand vous avez des émotions négatives, c'est parce que, si vous réfléchissez bien, c'est parce que vous avez une pensée négative. Cette pensée négative qui a fait qu'elle a grandi, hop, elle a pris de l'importance. Ensuite, elle vous met dans un état négatif au niveau corporel, au niveau des émotions. Et qu'est-ce qui se passe quand on a d'abord pensées négatives, émotions négatives? On va avoir un comportement négatif. Et ce comportement va se traduire en habitude négative. Vous comprenez la difficulté aussi de... C'est pour ça que j'avais fait une vidéo pour, où il faut vraiment apprendre à observer ses pensées. Donc quand on a une émotion négative, ça veut dire qu'on a eu des pensées négatives. Donc il va falloir retravailler les pensées. En fait, c'est ça le secret. Donc retravailler les pensées négatives et les transformer en pensées positives. Parce que il faut que vous vous disiez quand même et être honnête, que vous soyez honnête avec vous les filles. Vous avez toujours des pensées qui reviennent souvent. Et qu'est-ce que ça fait? C'est toujours ce dont je parle, le disque. Le disque qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et ensuite, ça fait des... Moi, j'appelle ça des diarrhées mentales. Ça fait une diarrhée mentale, par exemple. Je peux prendre un exemple. Et il m'a fait ci, et mon mec m'a fait ça, ou je sais pas, ou mon mari m'a fait ça, et oh, quel salaud, quel un, hop, hop, ou un tel m'a fait. Et alors, on commence à ressasser, et hop, c'est parti, le disque tourne, c'est parti, avec le même truc. Hein. Et si vous êtes honnête avec vous, vous verrez que vous avez toujours le même genre de pensée. Pourquoi? Parce que ça s'est traduit en habitude maintenant. Et les émotions, elles viennent de là. Si vous êtes mal à un moment donné, posez-vous la question, à quoi j'ai pensé avant? Quelles étaient mes pensées avant? Parce que parfois, on pense, on est dans la lune, on ne sait même plus à quoi on a pensé. On perd le fil des choses, ça arrive souvent. Donc en fait, il faut vraiment vous dire que quand on pense, on s'imagine des choses et on commence à se faire des films. Hein. Alors c'est bien des films, moi je ne suis pas contre, les films. Mais est-ce que ce serait peut-être pas mieux qu'on change de film, qu'on change d'histoire? C'est-à-dire, au lieu de toujours ressasser, eh bien, de changer d'histoire. Je ne vais pas bien, voilà, vous dites, j'ai des émotions pas négatives, hop. Je vais pas bien. Je vais pas bien, déjà, je vais me bouger. On va se bouger pour changer la physiologie, hein, j'avais fait une vidéo sur ça aussi. On change sa physiologie. Ensuite, on se dit, je vais bien. Je vais bien. Et on essaie de plus s'attarder à cette pensée. On se dit, oh, je ne suis pas bien, je suis pas... Refusez cette pensée. Dites, vous annulez et vous dites, je suis bien. Alors même si c'est vrai qu'au fond de vous, quand vous n'êtes pas bien et que vous dites, je suis bien, je sais que ça, c'est difficile et que ça cale. Mais à force de se répéter, je suis bien,
chaque jour, quand vous avez des émotions négatives, eh bien, vous allez petit à petit avoir beaucoup moins d'émotions négatives. Vous allez avoir un mindset beaucoup plus positif, beaucoup plus attractif, parce que vous répétez, vous changez vos habitudes et vous répétez ça chaque jour, donc vous allez commencer un peu à éduquer et reprogrammer votre subconscient. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc si vous ressentez un besoin quelconque, si vous avez besoin d'une aide, donc j'ai mis un lien en dessous de la vidéo d'un sondage qui est très 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 important pour moi les filles. C'est vraiment, je compte vraiment sur vous, donc pour pouvoir être au plus proche de vous, pour pouvoir vraiment mieux vous aider, mieux vous accompagner. Et donc, ben, vous pouvez commenter la vidéo ou me poser des questions. Moi, je suis là pour ça. Donc, je vous invite à me laisser des commentaires. N'oubliez pas, c'est très, très, très important afin que je puisse vous aider. Bon, alors je vous laisse et je vous dis ciao. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ciao.